The President, please be seated. The chamber is now back in session. Nous reprenons l'audience. For our next proceeding, we will continue to question the accused on his character. Security guard, can you bring the accused to the dock? Et d'amener l'accusé à la barre. The President, I would like now to give the floor et je donne la parole to Judge Lavange to continue his questioning to the accused. This morning he already continued his questioning on the character of the accused. So please, Judge Lavange, you take the floor. Je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Judge Lavange, ce matin, nous avons essayé de d'éclaircir la situation de votre beau-frère, Cao Li Tung Hout, qui a été détenu à S21. J'ai essayé de comprendre les raisons pour lesquelles votre beau-frère a été arrêté, détenu, torturé et exécuté. La seule chose que j'ai pu comprendre de ce matin, c'est que son arrestation avait été décidée par un chef de zone et que c'était conforme à la politique du PCK et que, en conséquence, vous ne vous y êtes pas opposé. Mais est-ce qu'on peut dire que non seulement vous n'y êtes pas opposé, mais que vous y avez aussi contribué par les rapports que vous avez adressés à vos supérieurs? By sending a report to your superior. Et est-ce qu'en définitive, nous pourrions savoir les raisons exactes pour lesquelles votre beau-frère a été arrêté? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de raison? Est-ce que c'est simplement le fait que son arrestation avait été décidée par le chef de zone? And his arrest was decided upon by the zone commander. The accused, Your Honor. It is the discipline of the party that each member. La discipline du parti veut que chaque membre, que tout membre, had no right to ask questions. S'abstiennent de poser des questions. Nous n'avions pas le droit de poser des questions quant à la décision d'arrêter quelqu'un lorsque quelqu'un est arrêté sur ordre d'un secrétaire de zone. And that is the fact. Et c'est là that is the mode of operation of the party. C'était le modus operandi du parti. No one dare to breach that norm. Enfreindre cette règle. I received a letter from moi, my in-law, de mon beau-frère, and I did not ask him for any je details on the right or the wrong. De questions pour savoir ce qui était juste ou faux. In my mind, whatever dans mon esprit, I could do in order to help him, but l'aider. In my mind, the hope was so minimal. Mais je n'avais qu'un espoir très faible. And that is the truth. La seule chose que je pouvais faire, c'est ce que j'ai fait. Voilà la vérité. I would like to raise another issue, but I think it is related to case 002. Ça risque d'être lié à l'affaire au dossier plutôt numéro 2.
With your honor's leave, I would like to talk a little bit on this matter. Un peu plus de ce point. J'aimerais tout d'abord que l'on termine avec la situation de votre beau-frère. Vous avez dit que votre beau-frère a été torturé. Je suppose que vous avez lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt, avec votre méticulosité habituelle, le détail de ses aveux. Qu'est-ce que votre beau-frère a pu avouer ? What did your brother-in-law confess to? Response: I cannot recall it. Je ne me souviens pas. I would like only to recall what I can remember. He confessed that je me souviens, he c'est was que a member. Il avouait être un membre. Of the enemy networked before 1970. D'un réseau d'ennemis avant 1970. And that he was assigned et il avait to été get married with my younger sister after my imprisonment. De se marier à ma sœur après mon emprisonnement. Therefore, he came to ask permission to marry my younger sister. This is from my recollection. Voilà ce dont je me souviens. And what he was feared of was his own sentiment that when he was arrested and handcuffed, sentiment une fois arrêté et menotté, wanted to know whether I would be arrested, because si if I were to be arrested, then si the whole family arrêté, would be alors, gone. C'est toute la famille qui serait emportée. De quel réseau était-il censé faire partie? Du KGB, de la CIA, de notre réseau? Est-ce que, selon vous, ces aveux étaient crédibles? Est-ce que vous y avez cru ou pas? Response, Your Honor. Regarding this matter, it is difficult for me to respond. Il m'est difficile de vous répondre. I believe only 30% of that could even be less, could be down to 20%. Peut-être même que 20% qui était vrai. And this is my sincere response, Your Honor. Et là, je vous réponds sincèrement. Que sont devenus votre sœur et ses enfants? What happened to your sister and her children? Response, John. My younger sister was with me. She was not a party member. She was a youth member, a youth league member. Elle a été membre plutôt de la ligue de la jeunesse. Later on, plus tard, I sent her to study the child care étudier la subject in order to have her skilled, and that she could be returned to be my staff at S21, and that I could keep her there. Ainsi, j'aurais pu la garder S21. Donc, doit-on déduire que votre sœur et les enfants de celle-ci et de votre beau-frère sont restés à votre domicile pendant la durée de S21? Response: she did not stay with me at my house. She stayed in a separate house. Elle était dans une autre maison. Comment se fait-il que on n'ait pas appliqué certains
principes selon lesquels, lorsqu'on arrache l'herbe, on doit arracher la racine avec. Comment se fait-il que votre sœur, ses enfants aient été épargnés? Est-ce que vous êtes intervenu? Est-ce que vous aviez le pouvoir d'intervenir? Ou est-ce que vous aviez aussi peur pour votre propre sécurité? Response. Regarding this matter, there are actually four or five matters that I need to raise. En fait, first, it was my sentimental feeling toward my sister. De l'affection pour ma sœur. Second, deuxièmement, I myself thought that if my sister were to be arrested, ma sœur était arrêtée, then it would be inevitable that I would be arrested. Mon tour allait venir. Rather than when I could keep her. And another et cela était moins vrai si j'arrivais à la garder avec point moi. Is that I vouch for my younger sister and that I vouch to educate her. Porter garant but pour I could not do that for my in-law. En disant que j'allais and as I was a party member, I also had duties to fulfill. En tant que membre du parti, j'avais aussi des devoirs à remplir. And I vouch for somebody that I provided my guarantee that I could educate that person. Je l'ai fait en expliquant que j'allais assurer son instruction. And for people superior than me, I would not be able in a position to defend that person. But for people lower than me, or for those subordinates, for example, Comrade Pond, I was in a position to defend oui, him. Je pouvais le défendre. And that was the practice at the time. Voilà comment ça correspondait en pratique à l'époque. Et votre beau-frère avait une position subalterne par rapport à la vôtre. Il n'était pas plus haut placé que vous. Vous n'aviez pas confiance en lui. Was he not higher than you? Did you not trust him? Response. Trust is a separate matter. La confiance, c'est encore autre chose. But being related is a separate matter. Et nous étions but parents. Within the party rank, I was not in a position to educate him regarding the party's theory and disciplines. Lui enseigner la discipline et la ligne du parti. And another person who educated him was later arrested and sent to SNF1. His name was Srun, a secretary of Stung district. Du district de Stung, a lui-même été arrêté plus tard. So he was arrested. Il est arrêté. He was actually arrested and sent to S21 before his arrest. Avant l'arrestation de l'autre. Alors, parlons maintenant de votre autre beau-frère, Siep Sakhorn. Quelles étaient ses fonctions exactes? Pourquoi a-t-il été arrêté? Pourquoi a-t-il exécuté? Qui l'a décidé? And who decided that he should be executed? Response. My first in-law, Siep Sakhorn, mon beau-frère le plus âgé, was from the same village that I was born. Que moi-même. He worked with the commerce section est à la section du in the
zoned sector, in the Kampong Thom sector as well. Au secteur de Kampong Thom. It is my conclusion that his arrest et je crois comprendre qu'il a été arrêté. Was made because he parce was arrested and put into a sect and carried away and disappeared. My sister tries to locate him but failed. And it was lucky that he was not arrested. Et c'est par chance, elle n'a pas été arrêtée elle-même. As a principle, when the husband was arrested, the wife would be arrested as well. But my younger sister was not arrested and she is still alive today. Elle est toujours en vie aujourd'hui. So the real nature of his arrest, I was not aware of it. La vraie raison de son arrestation, je ne sais pas. And I could only conclude that Brother Pope or Kai Pope was the one who arrested him. Qui a fait procéder à son arrestation. When I said Kai Pope arrested him, it means Kai Pope issued or made a decision to arrest him. Je veux dire par là que Kai Pope a pris la décision de faire arrêter mon beau-frère. And that he was arrested secretly without allowing my sister knows, my family knows, even myself was not aware of it, and I concluded that the decision must come from the superior, either from Son Sen or Pol Pot, not to make me aware of his arrest. Pour que je ne sois pas au courant de l'arrestation. Not even a small information regarding this arrest was not made known to me. Je n'ai pas reçu la moindre information concernant cette arrestation. Selon vous, le fait que vos sœurs, aucune de vos sœurs, n'ait été arrêtée, n'ait été inquiétée, ni qu'aucun de vos neveux ou nièces n'ait été arrêté, alors que la logique aurait été le contraire. Est-ce que selon vous c'est dû au pur hasard ou est-ce que c'est dû au fait que c'était vos sœurs et que c'était vos neveux, vos nièces et que vous occupiez une place importante dans la hiérarchie? Response regarding this matter. Sur ce point, it is a matter of analysis and conclusion. Il faut analyser les faits pour parvenir à des conclusions. I would like to make a conclusion based on my analysis as follows. Si je fais cette analyse, voici à quoi j'arrive comme conclusion. The arrest of my brother-in-law, I reacted. Mon beau-frère a été arrêté. And I was not happy with that. Moi, je n'en étais pas heureux. And I pretended to ignore his arrest. Je n'ai pas réagi. J'ai prétendu ignorer cette arrestation. Until I was first warned. Jusqu'au moment où j'ai reçu un premier avertissement. Warned, then I implemented that order. Jusque-là, j'ai appliqué l'ordre. Therefore, I believed, based on my analysis, je crois à l'analyse, that they know how to work together or to compensate. Qu'ils savaient comment travailler ensemble ou compenser. So that I would not be furious or pour que too moi, angry. Je ne me mette pas trop en colère. They gathered all the information and documents surrounding myself. So if I were to be arrested, then everything would be gone with me.
Parce que si and j'avais arrêté, that tout is based on my analysis moi. Of the situation at the time. Voilà ce que je crois comprendre qui s'est passé à l'époque. During such time, I was scared. À cette époque, j'avais peur. I was scared as I compared myself to the situation of Lai, alias je Om. Je me comparais à Lai, alias Om. Net New, alias Net Hong. New, alias Hong. And secondly, as I et was originally came from the North Zone, and zone there nord, were mass arrests of those people from the North Zone. Massive dans la zone nord, ou de gens venant de la zone nord. And importantly, I was so scared as the enemy implicated my superior, Son Sen. J'avais peur d'autant plus que des ennemis avaient mis en cause mon supérieur, Son Sen. I believed that he would not be quiet and allow me to act arbitrarily. Therefore, I was scared. Je croyais que Son Sen ne me laisserait pas agir comme je le voulais, donc j'avais peur. And therefore, I concluded that they would gather all the information surrounding myself. On voulait garder toutes les informations autour de moi. And that is my response. Voilà comment je comprends les choses. And it is only my conclusion, John. Oui, c'est une conclusion personnelle. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous étiez quelqu'un qui savait beaucoup de choses? So qu'il fallait peut-être ménager, éviter de mettre en colère, comme vous avez dit. There was an impulse to avoid annoying you or making you angry, as you said. Response. It is difficult for me to respond to your question. I knew a lot of events and information as I was also involved with the interrogation unit. J'ai participé aussi à l'activité de la section d'interrogatoire. Therefore, it would be difficult not to make anybody not happy with me or happy with me. And I think Sun Sen was aware of the fact that I allowed the enemy to implicate him. Que j'avais laissé des ennemis le mettre en cause. Vos autres beaux-frères, ils avaient également des fonctions dans le parti, ils avaient des responsabilités. Brothers-in-law have positions in the party. Did they hold positions of responsibility? Response. My third brother-in-law, named beau-frère, s'appelait Pete. After a little bit after 17 April 75, un peu après le 17 avril 75, he was a commander of a battalion. Il était commandant de bataillon. In the division 450. Dans la 450e division. Later on, he was sent to work in the airfield in Kampong Chhnang province. À l'aérodrome de la province de Kampong Chhnang. When he works there at the airfield, et là, à l'aérodrome, he was subsequently sent to S21. Il a été finalement envoyé à S21. And I was instructed not to give any assignment or work to this person. Aucune tâche, aucune mission. That means his party membership was revoked. Que sa carte de membre du parti a été révoquée. And finally, my wife was also removed from the hospital. Ma femme a aussi été retirée de l'hôpital.
and my sister, who was a widow, et ma sœur qui était stayed veuve, with me, et restait avec moi, and my other sister, mon autre sœur, whose husband was transferred from the airfield work in Kampong Chenang, was also staying with me. Était transférée de l'aérodrome, est aussi restée avec moi. And I kept one of my younger sisters because he was a member of the youth league, and I sent her to study childcare. Envoyé étudier la puériculture. Vous pouvez nous dire ce qu'on faisait à l'aéroport de Kampong Chenang? C'était un endroit où il était facile de travailler ou c'était un endroit où les gens n'avaient pas toute leur liberté? The airfield in Kampong Chenang l'aérodrome was a location that we could refer to it as a prison without walls. Était en quelque sorte aussi une nobody prison sans could mur. Walk freely. Personne ne pouvait circuler librement. It was the same as the other concentration c'était camps comme throughout pour the country. Les autres camps de concentration qui se trouvaient dans le pays. And they work at the airfield was intensive and pure labor. Dur, très dur. Therefore, life there was extremely difficult. La vie était extrêmement pénible. Quelles étaient les fonctions exactes de votre beau-frère? What work exactly did à l'aéroport? Brother-in-law do at the airport. Response. He was managing the unit over there. Il gérait une unité là-bas. Working in that airfield. Sur le l'aérodrome. Let me state again je that répète. The people who were transferred into the unit at the airfield à l'aérodrome was already decided as partly a prison already, so their status was like the status of those who ils were sent to Pressor. Le même statut que les gens qui étaient envoyés à Pressor. Mais votre beau-frère, il était du côté des gens qui étaient plutôt prisonniers ou il était plutôt du côté des gens qui surveillaient les prisonniers? Et quel genre d'unité dirigeait votre beau-frère? The division 450 came from the north zone. 450 venait de la zone nord. The secretary of the zone, Soum, was arrested, and then Yan was subsequently arrested. A également été arrêté. Yan was the deputy secretary of that division. Adjoint de cette division. And when the son-in-law of Tamok replaced them. Le beau-fils de Tamok les a remplacés. And then cadres, many cadres of the regiments and battalions within that division were arrested. Therefore, some battalions within that division were transferred to work in the rice field. Sorry, my correction, at the airfield, and their status was already decided as half prisoners already. En quelque sorte de demi-prisonniers. When my brother-in-law was sent there, he was already half a prisoner, but he was assigned the role to also supervise those people at the rice field, at the airfield.
And later on, the supervisor there did not trust him. Le superviseur là-bas ne lui a pas fait confiance. He was removed and people from the southwest replaced him. Et remplacé par des gens venus de la zone sud-ouest. Est-ce qu'il n'y avait pas un principe suivant lequel, quand on veut couper les bambous, on coupe aussi les épines? Comment se fait-il que votre beau-frère, qui a priori était cadre et dont les supérieurs avaient été arrêtés, n'ait pas lui-même été arrêté? Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait qu'il était proche de lui? Ou est-ce que vous êtes intervenu en sa faveur? Response. Accusé. The principle that the bamboos had to be cleaned at the thorns has been applied to Khoitun. A été appliqué à Khoitun également. After Khoitun was arrested, then they Khoitun, worked on the subordinates. On est passé aux subordonnés. So this principle was used or applied in all units because when Chan Chakrai was arrested, Sambat was also arrested. Sambat a aussi été arrêté. Before Khoitun had been arrested, Comrade Uyun was arrested. A aussi été arrêté. Before Uyun was arrested, other people had also been arrested. And then later on, Khoitun was ultimately arrested. Plus tard, Khoitun a été aussi arrêté. And when Khoitun was arrested, anyone suspicious and who were subordinates to Khoitun were all arrested. Toutes les personnes qui faisaient l'objet de soupçons et qui étaient subordonnées de Khoitun ont, elles aussi, été arrêtées. I believe that your question is correct, that when my brother-in-law was initially arrested, he was sent to me. Mon beau-frère a été arrêté, il m'a tout d'abord été envoyé. And before information had been later collected, then he was left with me. Ensuite, après avoir rassemblé des informations, on l'a laissé auprès de moi. Est-ce que vous êtes porté garant pour lui? Ou est-ce que vous étiez chargé de le surveiller? Est-ce que vous faisiez des rapports à vos supérieurs sur ce que faisait, ce que pensait votre beau-frère? What your brother-in-law was doing and what he was thinking? Response. My first brother-in-law, who was a first came, beau-frère aîné, his name was qui a été Thun. Amené, he was sent il s'appelait to Thun. A location on l'a where emmené, map was copied. It is a location where he would be put to work, like the other. On l'a fait travailler. C'était un endroit où on copiait des cartes. L'unité de cartographie. The second brother-in-law was put to work with Comrade Hui and later on Comrade Pao. On l'a fait travailler avec Hui et ensuite avec Camarade Pao. My sisters were pour placed de mes to sœurs, work in elles Phnom Penh. Ont été placées, on les a fait travailler à Phnom Penh. Vous n'avez pas répondu à ma question. You haven't replied vous êtes-vous to porté garant question. Pour
pour ses beaux-frères. Did you vouch for these brothers-in-law? Qui étaient proches de vous, qui étaient à S21, mais qui n'étaient pas détenus. Who were in S21 but were not detained. Response. In principle, as the person in the leadership, we must have measure to stop anyone from destroying the unit. En position de leadership, nous devions arrêter qui que ce soit qui présentait un risque de détruire l'unité. Like my first brother-in-law comme was put to work to copy maps. Mon beau-frère aîné, on l'a fait copier des cartes. On lui a fait copier des cartes, reprend l'interprète. And he used to be the police. Et and he used to read confessions. Auparavant, so he demanded that he would read confessions. So he started to behave like that. Lui a demandé de lire des aveux et on lui a demandé d'entreprendre de telles tâches. And he was not properly behaved regarding the et son girls. Comportement n'était pas adéquat, n'était pas approprié vis-à-vis des femmes. So with the warning from Sun Sen and having noted his misconduct, I made the decision to have him arrested. L'a averti et donc nous avons pris la décision de procéder à son arrestation. My second brother-in-law was put to work at the rice field and he had not caused any problem and then when we fled we were on the run together. Enfui, nous sommes enfuis ensemble. Donc si je comprends bien, en réalité, so if my understanding is correct, qu'un seul in reality, there wasn't only one brother-in-law who was detained and executed in S21. There were two. Response. Gao Li Tonghut was the only brother-in-law who was smashed at S21. Sip Sokhon was smashed by brother Pok in Kampong Tong. Frère Pok à Kampong Tong. But was demoted and left to live with me. He was on the run with me, but died on the way. Il s'est enfui, il a pris la fuite avec moi, et il est mort en route. Et il en manque un. And there's one missing. Non? Chun, non? L'aîné de vos beaux-frères, qu'est-ce qu'il est devenu, lui? The eldest of your celui qui avait une conduite indécente. What happened to him? The one who vous avez dit qu'il y en avait indecent un. Behavior. Que Sun Sen avait considéré comme ayant eu une conduite indécente vis-à-vis des femmes. Had indecent behavior toward women. What became of him? Response. That's the guy, Gao Li Tonghut, alias Pern. Alias Pern. Bien. Alors,
L'heure avance. On va passer à un dernier sujet. J'aimerais que vous nous expliquiez. Vous avez une main qui est accidentée. Vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances votre main vous êtes blessé à la main et pourquoi? That led to your hand being injured and why? Response. I got injured on my left hand in 1980 or 1981. I'm not sure. C'était en 1980 ou en 1981 que je me suis blessé à la main. I was living in a separate home far away from the others. De l'année où cela s'est produit. Vivais à l'époque shooting près de des membres de ma famille et à l'époque j'appréciais le tir aux oiseaux. Next to my home in Samlot, there was a Samlot container or a case which contained weapons and it was buried. Il y avait un endroit qui était enfoui et qui contenait des armes. I found a weapon and j'ai trouvé une arme, had it cleaned, et je l'ai nettoyé, je l'ai démonté, and I loaded the bullets into the magazine. J'ai chargé la balle dans le magasin. Then I pour in some diesel. Et ensuite j'ai versé du diesel, du gazoil. I put the cannon of the weapon up in the sky direction. Canon vers le haut. And then I used the piece of cloth to clean the weapon. J'ai utilisé un morceau d'étoffe pour procéder au nettoyage de l'arme. My wife was sitting. Ma femme était near me. Assise à côté de moi. She asked me how could I disassemble the weapon like the way I did. Comment j'arrivais à démonter une arme comme je pouvais le faire. And I was not yet answering to her. She crawled from a distance to put her finger into the trigger. Et elle a placé son, avant que je puisse répondre, elle a placé son doigt sur la gâchette. Then there was a gunshot and then my left hand was severed. Et ma main gauche a été touchée. And she was a medic, then she tied my hands and she walked me to the hospital nearby. Elle a pensé m'appeler et elle m'a emmené à l'hôpital le plus proche. Elle m'a placé un garrot. She sort of bandaged my hand and walked me to the hospital. And then at the hospital, they removed that finger. Sur mon bras. Autour de mon bras et ensuite à l'hôpital, on m'a enlevé un doigt. The doctor who removed my finger is now still working at some load hospital. Mon doigt travaille toujours, encore aujourd'hui, à l'hôpital de Samlot. Depuis combien de temps
avez-vous l'habitude de manier des armes et de nettoyer des armes? How long have you been in the habit of dismantling weapons? Dismantling weapons, habituellement, handling weapons. Vous les nettoyez avec weapons, des balles à l'intérieur? Vous nettoyez des balles des armes lorsqu'elles sont chargées? While these weapons were loaded, normale? Is this a normal practice? C'est quelque chose qu'on vous a enseigné? Is this something that you were taught to do? Response, Your Honor. Réponse. I had a pistol with me since 1973. Depuis I never 1973, even je shot portais un pistolet, je n'avais jamais tiré une seule balle. I knew how to shoot a gun je in 1980 when I had a rifle to shoot 1980, birds. En 1980, lorsque j'avais un fusil. Qui permettait de, the person who taught me how tirer, to shoot, pratiquer le tir aux oiseaux. Et la personne qui m'a appris à tirer. Was the younger in-law of Nunchir. He taught me how to shoot de la belle famille, un jeune membre de la belle famille de Nunchia. C'est lui qui m'a appris à tirer. And later on. Et the time that par la suite, the incident took place, it was the second time that I dismantled a weapon. C'était en fait la deuxième fois que the first time j'ai I dismantled the weapon, my wife did not see it. Démonté l'arme, ma femme n'a pas vu, ne m'a pas vu faire. Your Honor, my wife was a type of person who is animated and lively. So she was so quick. Vive. Et elle a agi avec rapidité. Therefore, it's hard for me to take any offense against her because it's her habit already. De m'offenser de son comportement et de ce qui s'est passé. Parce que ça correspondait à son caractère. And from that day when I got injured, I did not continue shooting birds anymore. J'ai subi cette blessure, et bien j'ai arrêté le tir aux oiseaux. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions à poser à l'accusé. Oh, thank you. I have no further questions for the accused, Mr. President. The president, when our judges have no further question, it also comes time that we should take the adjournment. So we will now take the adjournment and resume at 9 a.m. tomorrow. Cette audience et nous reprendrons les débats demain matin. For tomorrow's session, we going to continue hearing the testimony of the accused concerning his character and to hear the questions that will be put by the prosecution, the prosecutors and the parties to the proceedings. Security personnel are now instructed to take the accused to the detention facility and return him to the courtroom by 9 a.m. De pouvoir l'emmener au centre de détention et de le ramener d'ici 9h demain matin. Femme d'une grandeur. L'audience est levée. La greffière, mesdames et messieurs, veuillez vous lever.